Bonjour les amis, on est juste devant le salon de l'agriculture à Paris, port de Versailles. On est le 24 février 2024. Merci d'être là présent, c'est super. Je le rappelle, on est l'Alliance du Peuple, on est une association loi 1901 qui défendons un projet absolument formidable, j'allais dire magique, oui, qui est une contribution financière généralisée. En taxant la finance et plus le travail, ça nous permettrait, c'est pour cette raison qu'on est au salon de l'agriculteur, de donner un revenu minimum aux agriculteurs de 1400 euros. En fait, on taxe la finance moyennant une contribution financière généralisée de 2% sur les transactions financières en dehors de la bourse. Et ça nous permet de donner un revenu aux agriculteurs de 1400 euros, d'augmenter tous les salariés de 25%, de rembourser les cotisations patronales à toutes les entreprises, les commerçants, les PME, de donner un revenu minimum aux retraités de 1400 euros, d'accord ? Et ça permettrait également aux femmes qui veulent élever leurs enfants d'avoir un revenu et une retraite en fin de vie. Et bien entendu, ce qui est magnifique dans cette solution, c'est qu'elle est universelle, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre cette contribution financière généralisée de 2% aux Pays-Bas, on pourrait la mettre au Mexique, au Brésil, dans tous les pays du monde. Et je suis là aujourd'hui pour rencontrer Sébastien. J'ai été déjà le voir chez lui. Et ce soir à 17h, on fait un live avec l'agriculteur, c'est ça ? L'agriculteur, c'est ça, avec l'agriculteur. Vous nous avez invité. Sébastien Béraud, on va, je l'espère, il va prendre la partie agricole de la solution de la contribution financière généralisée pour offrir aux agriculteurs cette solution, parce que le problème qu'on a, c'est qu'on a des agriculteurs aujourd'hui qui gagnent moins de 600 euros, on a des retraités qui gagnent 200-300 euros, et ce qui est un petit peu dégueulasse dans le système actuel, si vous voulez, c'est qu'on voit ce qui s'est passé avec l'augmentation des sénateurs et des députés, ils en ont créé une loi pour s'augmenter. Alors le principe de se donner une rémunération supplémentaire, c'est pas à la limite ce qui me gêne le plus. Ce qui me gêne, c'est le motif. En fait, ils se sont augmentés pour cause d'inflation. Donc il faut savoir que l'inflation en France, elle s'arrête. Comme le nuage de Tchernobyl, elle s'arrête. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. Eh bien, il faut que vous sachiez que l'inflation, elle s'est arrêtée au Sénat et elle s'est arrêtée à l'Assemblée.
vous, ici, présents, on n'est pas concerné par l'inflation. Eh bien, en mettant ça en place, si on met ça en place, la contribution financière généralisée de 2% sur les transactions financières, eh bien là, on pourra augmenter tous les salariés. Et ce qui est magnifique, c'est que si demain, tous les Français étaient augmentés de 25%, tous les salaires, on créerait automatiquement un phénomène général qui permettrait d'augmenter le produit intérieur brut de la France et l'État percevrait 60 milliards de TVA supplémentaires. Ça leur permettrait notamment de rembourser la dette abyssale que nous avons, d'accord ? Parce que dans les tuyaux, d'après les informations que nous avons, notre Premier ministre se prépare à nous rafler les économies qu'ont les Français pour payer cette fameuse dette qui malheureusement, il semblerait, le taux d'intérêt serait passé au-delà des 2% et on ne serait plus en capacité de rembourser. Voilà. Donc nous, ça veut dire ce soir, vous allez faire un live avec Sébastien à partir de quelle heure ? À partir de 17h. Et ça va être où ? Moi j'ai une question. Eh bien écoutez, comme vous savez que Sébastien, malheureusement, il est, c'est pas facile, il ne peut pas circuler, on l'a empêché de rentrer au début. Donc on va essayer, on ne sait pas encore, on cherche un endroit là pour le faire. Moi j'ai juste une petite question, voilà. Parce que ce que vous proposez c'est sympa là, les 2% oui. sur les transactions financières, oui. mais ça veut dire que c'est pour le peuple. Parce que les grosses transactions financières, celles qui sont à l'abri, sont dégagées dans des paradis. Alors, on fait comment ? Eh ben, parce qu'en réalité, c'est ce système-là qu'il faut attaquer. Alors. Là, vous nous proposez un pansement, si je peux me permettre, de ce que vous jouez à vous. Je ne connais pas, je vais étudier quand même. Bien sûr, moi, je vais me refaire d'abord étudier avant de parler. Bien mais sûr. Le peu que j'ai entendu de vous oui. parler, c'est un pansement que vous nous proposez. Non, non, pas du tout, madame. Moi, je ne veux pas, pas trois croquettes. Non, 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 c'est madame. Ce système qu'il faut non, dégager. Non, non, oui. Parce que regardez, je vais vous donner un exemple tout court. Si dès le départ, les agriculteurs avaient dit « allez vous faire voir avec vos aides de l'Union Européenne, le pacte, et que je laisse pas ma terre en jachère pour avoir bonus du client, mais je vais la cultiver et je vais vendre mon produit à nous, consommateurs, en direct. » Parce qu'il y a une chose que j'entends jamais chez vous, et dans les agriculteurs non plus, c'est que qui est à la tête déjà du syndicat, c'est un lobbyiste. Oui, on d'accord est d'accord. Et on ça, d'accord. c'est normal. Non. Moi, je vous dis qu'une chose. Oui. Moi, ce que je suis en train de faire, nous, ça fait 5 ans, les gilets jaunes. Nous, on a évolué, contrairement à ce qu'ils nous essayent de nous faire passer pour des moins que rien, des cassos. Oui. On a évolué. Vous savez comment on a évolué ? On a regardé ce qui se passe dans les pays étrangers. On a regardé ce qui était le mieux. Et on va prendre le mieux. Je demande à tout le monde d'aller vous renseigner comment fonctionne l'agriculture en Suisse. C'est une bombe atomique. Déjà, ce sont les agriculteurs eux-mêmes, les petits agriculteurs, qui ont la main mise sur le syndicat. D'accord ? Et vous savez, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour que vous compreniez bien comment ça se passe. En Suisse, tant que la production peut faire nourrir tout le pays, toutes les marchandises qui rentrent sont taxées à 200%. Donc pas de concurrence avec les producteurs suisses, puisqu'ils ont leurs produits qui vont rentrer, par exemple le poulet d'Ukraine, au lieu d'être chez nous vendu à 7 euros, chez eux il est vendu à 40 euros. Hein. Donc vous pensez bien qu'ils vont chercher le poulet de l'agriculteur. Et quand il y a une pénurie, il manque de produits en Suisse, et bien là ils vont faire rentrer le libre-échange, mais en même temps ils vont faire au même taux que le leur. Moi j'entends, et monsieur là je ne l'ai pas entendu dire, déjà, rien que le fait d'arrêter cet enfumage, d'avoir des produits qui rentrent à zéro taxe de l'étranger, et que nous, notre poulet qu'on veut vendre, notre poulet de Brest qu'on veut vendre à l'étranger, il est taxé à 60%. Voilà l'enfumage. Qu'on ne me parle pas de l'Union Européenne, du libre-échange. Oui. Quel libre-échange ? Puisque le seul libre-échange que nous avons, c'est de prendre l'ordre merde et nous, d'être taxés à maximum. Rien que ça. Si, et quand il y a eu la conférence de presse là, avec Microbe Premier, à aucun moment, même les agriculteurs, j'ai entendu leur dire, mais attendez, ok, vous voulez travailler avec l'Union Européenne, ok, toutes les taxes au même niveau. Dorénavant, leurs produits sont taxés à 60%. Vous verrez, c'est votre poulet d'Ukraine, il est à 7 euros dans le commerce. Excuse-moi, pour les taxes, elle parle des taxes, vous pensez quoi des taxes ? Elle propose des taxes non, à 200, alors, à 200%. La Suisse, c'est le modèle suisse. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Prenons l'exemple. On parle de deux sujets totalement différents. Mais elle non. Attendez, madame. C'est je vous ai laissé, je vous ai... Madame, d'accord. Je vous ai pas grave. Parler. Oh, allez-y, donc, moi je vais voilà. vous prouver que c'est le même sujet. Non, 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 madame. Tout est le même non, problème. Non, non, non. Si, c'est tout est lié. Non, attendez, madame. Vous avez, de toutes les manières, en France...
on a des problèmes que vous les avez évoqués et je suis tout à fait en accord avec vous. Sachez-le, pas à 100%, à 1000%. D'accord ? La seule chose qu'il y a, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, on a une proposition, elle est simple, c'est taxons la finance et plus le travail. D'accord ? Donc ça veut dire que, dites-moi, si je prends par exemple les commerçants qui sont autour de nous, on va voir, bon, il y a beaucoup de restaurants, si on va voir les patrons de restaurants et qu'on leur dit demain, on va vous rembourser les cotisations patronales et dans ces mêmes restaurants où il y a des salariés, on va leur dire on va vous augmenter de 25%. Quel est le salarié qui va vous dire non et quelle est l'entreprise qui va vous dire non ? Petit 1. 2, si vous voulez, nous ce que nous proposons aujourd'hui, enfin, vous avez bien vu ce qui s'est passé, ils se sont votés une loi pour augmenter leur rémunération et ça nous... C'est tout le temps, il y a deux ans de ça, ils ont fait la même. Non, mais on est d'accord. C'est sans augmentation. Vous nous proposez à mai 68, sans les pavés. Si, en 68, les pavés ont été retournés, on a eu 30% d'augmentation du SMIC, on a eu de la sécurité sociale, vous nous proposez la même chose. Laisse-le finir, Régien. Laisse-le finir. C'est un pansement, c'est ce que je dis. Parce que regardez, en 2024, on est encore là. Nous, on est dans le système aujourd'hui, on vous fait une proposition pour tous les Français. Pour taxer les produits, par exemple, d'Espagne, une tomate d'Espagne, pour la taxer, comment on fait ? On ne la taxe pas, non ? Par exemple, madame a parlé d'une chose intéressante, je vais répondre à votre question. Elle a parlé de l'argent qui partait aller à l'étranger. Et elle a tout à fait raison, je suis d'accord avec elle. Alors, il faut que vous sachiez que, par exemple, si on suit son raisonnement, et elle a raison, un Français qui aurait émis 2 millions d'euros, 1 million d'euros, il envoie au Luxembourg pour défendre une fondation sur les fourmis rouges du Luxembourg. Et le deuxième million, il envoie dans les paradis fiscaux. Et bien là, d'un côté, il paiera 2%, de l'autre, il paiera 2%. Et si le banquier du Luxembourg dit à son client qui a caché 1 million d'euros pour défendre les fourmis rouges du Luxembourg, eh bien à chaque fois qu'il utilisera la carte bleue de la fondation pour aller en vacances, pour aller au restaurant, il paiera 2%. Donc c'est une loi, le projet de loi, il est juste. En plus, on ne prend pas aux riches pour donner aux pauvres. Pourquoi ? Parce que le riche qui gagne 10 000 euros par mois, il gagnera 12 500 euros, 2 500 euros de plus. Sauf que le pauvre aujourd'hui, qui est à 1 200, 1 300 euros, il aura minimum 1 750. Donc vous comprenez que c'est une autre vie. Et mettez-vous dans la peau d'une chose, c'est que si demain, tous les salariés français sont augmentés de 25% et qu'on rembourse les cotisations patronales aux entreprises, mais qui va être contre ? Qui va être contre ? Est-ce que vous connaissez... Non, mais ça ne va pas régler le problème, l'augmentation de salaire. Attends, ça ne va pas régler le problème. Non, attendez. Parce que l'inflation, elle est 30%, l'inflation. Tout augmente. Comment vous mettez ça en place ? Alors, je vais vous répondre. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est de se préoccuper du frigo vide des Français. Bien sûr qu'il y a plein d'autres problèmes. Les hôpitaux, la santé, tout ce qu'on veut. Mais réglons déjà, dans un premier temps, le frigo vide des Français. Ne soyons pas contre un projet qui permettrait aux Français de mieux gagner leur vie. Après, une fois qu'on aura atteint cette étape, eh bien on arrivera. Alors madame me dit, comment nous la mettons en place ? Je vais lui répondre. À partir du moment où nous sommes allés, au moment de l'élection présidentielle, trouver des candidats à l'élection présidentielle. Jean Lassalle, je vous en prie. Est-ce que vous faites un travail en amont au niveau des pesticides, ce qui est super important ? Monsieur, les pesticides aussi font partie des projets de l'Alliance du Peuple. Allez sur le site internet alliancedupeuple.eu et vous verrez, on a 15 projets. On a par exemple un projet dont moi je ne m'occupe pas, qui est par exemple les enfants qu'on enlève aux familles. On a un projet sur la justice, on a un projet sur l'hébergement. Un exemple, vous avez des terrains agricoles, c'est pour ça que je suis au salon de l'agriculture. Les terrains agricoles aujourd'hui, il y a des milliers d'hectares qui ne sont pas exploités. Si autour de Paris, sur les terrains non exploités, on mettait des chalets de 25 mètres carrés, d'accord ? On pourrait loger nos jeunes aujourd'hui pour 350 euros par mois. On a un projet là-dessus. Et on sortirait nos anciens des EHPAD en leur disant, au lieu de vivre dans une chambre de 9 à 20 mètres carrés, tous les mois, payer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros, eh bien, on vous offrirait un logement. Vous mettez... Excuse-moi. Tout ça, c'est un super projet. C'est des projets. Mais les projets, c'est ce qu'on veut se battre pour un monde meilleur et changer le système. Et donc, la question est toujours la même. Et depuis 5 ans, nous-mêmes, on tourne en rond. Comment on fait pour dégager madame, ce système pour alors, madame, je vais répondre. Donc, je vous ai dit, il y a quelques minutes, qu'on avait été voir les hommes politiques.
tous les hommes politiques. Moi, je suis allé au dernier meeting de Marine Le Pen, qui s'est déroulé à Perpignan. J'ai parlé avec son mari, j'ai parlé avec le président actuel, le jeune, là. Bardella. Bardella. J'ai parlé avec son mari à Marine Le Pen. Je leur ai donné les documents, je leur ai donné ma carte de visite. Je leur ai dit, mais écoutez, si vous voulez être élu, si Marine Le Pen veut être élue, eh ben, qu'elle vote ce projet. Vous l'avez entendu, vous? Non. Je suis allé voir Nathalie Arthaud, que j'ai interrompu dans son meeting à Lille. On est allé voir aussi l'équipe de M. Mélenchon. On est allé voir M. Jean Lassalle. C'est le seul qui m'ait fait monter sur scène et on en a parlé pendant plus de 30 minutes. Dupont-Aignan lui en a parlé. On en a parlé à beaucoup de personnes. Et le résultat, c'est quoi? Ben, le résultat, qu'est-ce qu'on a eu, monsieur? Le résultat, il n'y en a qu'est-ce pas. C'est du vent. Alors, c'est du vent. Attendez. Alors, donc, en fait, la solution, elle va où? La solution, elle dit, et notamment à des personnes comme vous. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir. C'est de truc. Créer des assemblées citoyennes. Notre argent, elle va où? Pardon? Notre argent, elle va où? Mais même les assemblées citoyennes, ça n'arrive pas. Attendez. Elle va où, notre argent? Attendez, moi, je vais vous répondre. Laissez-moi répondre à votre question. Attendez. Si vous ne laissez pas répondre. Non, mais parce que tout ce que vous me dites, nous, ça fait 5 ans qu'on est passé par madame, là. Écoutez, pour les régionales et les départementales, on a créé une liste. J'ai des camarades qui se sont saignés. D'accord? On avait des crédits. D'accord? On devait ouvrir un compte. Vous n'avez pas pu électoral. Faire. Si, parce qu'on est obligé d'aller au tribunal. Donc, faire. Ils ont réussi. Ils ont mis en amende BNP. BNP a été condamné. Ils ont été obligés d'ouvrir le compte. On nous a ouvert le compte. Non, pas tout à fait le dernier jour, mais on a bien trimé. C'est pas grave, on a les bras. D'accord? On a chargé les palettes. C'est pas un problème. De là, il fallait mettre ça dans nos bulletins de vote. Déjà, le premier, c'était un fameux format. Comme par hasard, ça leur convenait plus, ils ont changé le format. C'est pas grave, on les a baisés. On a refait le format et on les a remis. Okay, on a ramené ça dans toutes les préfectures, dans tous les préfectures. Sais, madame, c'est eux sais. Qui devaient donner les bureaux, les bulletins de vote dans nos bureaux de vote. D'accord. Résultat, le dimanche, on nous appelle en disant hey, Nadia, dans ce bureau-là, il n'y a pas les bulletins. Comment ça, on est passé, on a déposé les bulletins. Donc même sur les bureaux, quand on arrive à faire tout le chemin de taille, quand on arrive devant le bureau de vote, il n'y a plus de bulletins. Mais pourquoi? C'est vrai, on a vécu ça. Moi, je suis témoin. On nous propose des choses. Les bureaux, c'est de l'enfumage. Mais il n'y a jamais rien. On nous propose plein de choses. Donc, ça prouve bien que tout est vérolé. Nous, le peuple, tout est vérolé. Donc, si vous ne vous battez pas contre ce système, ça va où? Mangez, continuez à manger et vous battez avec le système. Bien. La solution vous... que nous proposons aujourd'hui, c'est une bombe. Je vais vous dire pourquoi. C'est une bombe. Parce que dans la mesure où les partis politiques aujourd'hui ne l'acceptent pas, il faut que vous sachiez que nous, on a mis la barre, l'Alliance du Peuple, à un niveau. La barre, c'est simple. C'est plus de président, plus de député, plus de sénateurs et plus de partis politiques. Ça, c'est la barre que nous avons. Mais Bruxelles, vous pensez quoi de Bruxelles? Non, Bruxelles, vous pensez quoi de Bruxelles? L'Union Européenne, vous pensez quoi? C'est le problème. L'OTAN, l'OM, tout ça, bien sûr. C'est le vrai problème, l'Union Européenne. On met une Europe des nations, comme le voulait à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1967, le général de Gaulle. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'Union Européenne. Donc après... Après, si vous voulez, nous ce qu'on propose, c'est quoi? C'est on met des assemblées citoyennes dans toutes les communes françaises et on va voir les commerçants avec les 2%. On va voir tous les commerçants avec les 2%. Et on a déjà commencé. Hein. Je peux vous dire qu'on a un maire d'une commune dont je tairai le nom qui est au Rassemblement National et qui a su le travail qu'on était en train de faire dans la commune et qui a dit je démissionne du Rassemblement National, je vais venir travailler avec vous parce que si... Je ne le fais pas, je n'ai aucune chance d'être élu si le projet de loi que vous avez là, il passe demain à l'Assemblée nationale. Monsieur, alors, moi je vais vous dire un truc. Ça fait 6 ans qu'on marche. 6 ans qu'on se fait matraquer la gueule. 6 ans on va en garde à vue. 6 ans on nous a proposé plein de choses. 6 ans on nous a fait rêver. On nous a fait rêver. Mais qu'est-ce qu'on a eu à la fin? 35 ébornés, 6 mains arrachées. 35 ébornés. 6 mains arrachées. 6 mains arrachées. Des jambes arrachées. Il est mort. Voilà. Ouais. Et c'est ça qu'il faut pas se dire. Il ne faut pas les oublier. Non, mais écoutez bien. Sur le principe, déjà, il faut que vous sachiez une chose. C'est pour votre bien. Il faut que vous sachiez une chose. C'est que la solution des 2%, elle peut renverser le gouvernement. Pourquoi? Parce que si demain, l'ensemble de la population française soutient ce projet, qui n'est pas d'aller élire une femme ou un homme, nous, les assemblées citoyennes, de toutes les manières, ce qu'on veut faire, c'est mettre des assemblées citoyennes dans toutes les communes. Quand les communes seront remplies d'assemblées citoyennes, on ira trouver le maire,
de chaque commune, on leur dira, est-ce que vous soutenez la solution des 2%? Est-ce que vous soutenez cette solution? Vous avez parlé d'un seul maire. Non. Il y a combien de maires en France? Il y a combien de maires en France? Il y a 35 000 communes. Oui, mais il y a un seul maire qui vous a soutenu. 500 communes. Non, mais il y a un seul maire qui vous a soutenu. Non, on a trois. Non, mais nous, on ne va pas chercher les maires pour le moment. Non, mais bien sûr, monsieur. Nous, aujourd'hui, notre stratégie, elle est simple. C'est de permettre aux Français de reprendre leur souveraineté. Ouais, mais il faut arrêter, je vais vous dire un truc, entre moi et vous. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Attendez, on est d'accord. Les gens, ils en ont marre. Ils sont fatigués. On est fatigués. Attends, Nadia, on est fatigués. On est fatigués de tout. Mais je sais. On nous a promis plein de choses. Qu'est-ce qu'on a eu? Non, attention, le problème. Qu'est-ce qu'on a eu? Non, attendez, il y a une chose. Attendez. Moi, je veux dire aussi une chose. La Constitution a voté non pour l'article 4. Vrai, non, le Sénat a dit non pour l'article 4, ils nous le remettent quand même. Rien que ça, ça prouve qu'on ne peut plus rien faire. En fait, tant qu'on a... Sauf soit les dégager réellement, non, tant qu'on n'a pas soit changé c'est la pas Constitution. La peine. Non, parce que ça, c'est des pansements. La Constitution. Il faut la changer la par le peuple. C'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, tout simplement. Il faut changer la Constitution. Parce que vous pensez 49.3, le 49.3 et le 47.1. C'est l'open bar du 49.3. Il faut le changer, là. Non, mais la question, écoutez-moi, là, on vous propose quoi? On vous propose pas de rentrer dans un parti politique. On vous propose pas tout ça. On vous dit la contribution, la cotisation financière généralisée ou contribution financière généralisée de 2%. Allez le faire savoir aux commerçants. Allez le faire savoir aux salariés autour, dans chacun de vos communes. À ce moment-là, écoutez bien. Moi, je vais vous dire un truc. Laissez-moi finir. Attendez, parce qu'à chaque fois, on me coupe. On finit. À partir du moment où, dans une commune, vous allez voir les commerçants, les retraités, les salariés, vous allez voir tout le monde, les agriculteurs, d'accord ? Que les gens sauront ça, eh bien le maire en 2026, 6 mois avant l'élection municipale, vous irez le trouver, vous les assemblées citoyennes, d'accord ? Les gilets jaunes, vous avez été capables de tenir des ronds-points, est-ce qu'on ne serait pas capable de prendre une mairie ? À ce moment-là, écoutez bien, laissez-moi finir. À ce moment-là, quand vous aurez 6 mois avant l'élection municipale, allez voir le maire en lui disant « Est-ce que vous soutenez les solutions que nous proposons ?» Si le maire vous dit non et que vous aurez fait le tour de la population en disant aux commerçants « On va vous rembourser les cotisations patronales, aux salariés on va vous augmenter de 25% et le reste, eh bien là les gens vous soutiendront. » J'avais demandé un truc aux gens, regardez. T'es fatigué ? Fatigué de la vie ? Trop fatigué, ouais. Vous êtes fatigué ? Ils sont fatigués, mais... Fatigués. Bien sûr. Vous êtes fatigués, des lois tout le temps. Vous êtes fatigués ? Bien sûr qu'on est fatigués. Vous êtes fatigués ? Bien sûr. Alors, oui, ils sont fatigués, mais sauf que... Écoutez, moi, je suis fatigué aussi. Mais comme eux, je suis là. Comme vous, je suis là. Bah, on est là. Même nous, on est là. On lâche rien. Même nous, on est là. Non, on est là. Non, mais écoutez-moi. Alors, en fait, depuis 2018, on est là. Monsieur, vous croyez que... Même avant 2018, monsieur, on est là. Monsieur, moi, j'ai été sur le premier rond-point, un des premiers ronds-points qui a été ouvert. Et j'ai fait pratiquement tous les ronds-points qui existent en France. J'ai fait des milliers de kilomètres. Ah, d'accord, moi aussi. Ben, vous aussi. Parce que vous êtes reporter. Je suis pas. Moi, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui en ont marre, tous ceux qui n'ont aucune possibilité, le problème, c'est que dans les gilets jaunes, vous avez eu beaucoup d'égo, beaucoup de gens comme Sarkozy qui se sont levés un matin en disant « je serai le futur président de la République ». Bon, ben ça, il faut que vous compreniez qu'on n'en veut plus de président de la République. Pourquoi ? Est-ce que vous estimez normal ? En 1789, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Pourquoi sont-elles mortes ? Pour assassiner un roi, est d'accord ? Oui. Au bout de quelques mois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, on remplace un roi par une monarchie républicaine. Ouais. D'accord ? L'Élysée, c'est quoi ? C'est une monarchie républicaine. D'accord ? Le Sénat, les députés, les partis politiques. Voilà, on est dans une république bananière. On est dans une république où c'est plus un roi, mais c'est pire qu'un roi. On a 70% de taxes. À l'époque des rois, on avait, rappelez-vous, la dîme. Oui. Mais c'était vachement moins important que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est obligé de travailler 7 mois pour payer nos impôts. C'est un véritable scandale. Et là, ils se sont augmentés pour, effectivement, l'inflation. Et nous, là, l'inflation, elle ne nous impacte pas. On n'a pas le droit, nous, à une augmentation. Mais il faut arrêter. Alors, moi, je dis, on se plaint pas. La preuve, on ne demande rien. On dit juste, on met une taxe sur la finance.
parce que c'est pas normal qu'on ne puisse pas le faire. On rembourse à ce moment-là, on ne change rien au système. Parce que c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on ne touche pas une virgule du système. On met les 2% en taxant la finance, on peut malheureusement pas toucher la bourse, ce n'est pas possible. Parce que les 27 pays notamment ont protégé les boursicoteurs. Donc oubliez, on n'y arrivera pas. Pour y arriver, il faut que vous repreniez le pouvoir. Et nous aujourd'hui, ce qu'on met en avant, c'est ni un homme, ni une femme. Nous, on a un candidat. Non, Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle le peuple. Non, mais vous avez dit on ne change pas le système. Il faut aller voir les riches. On change le système. Mais oui, on remet. Et la Constitution, surtout. Mais la Constitution, écoutez-moi, déjà, je vais vous dire quelque chose. À l'article 2 de la Constitution, il est écrit la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. On est d'accord? Est-ce que c'est exact? Est-ce que vous connaissez un pays, vous, aujourd'hui, où, quand vous avez un représentant, si demain vous avez un commerce, que vous prenez un représentant, est-ce que c'est votre représentant qui, un jour, va arriver dans votre commerce en vous disant « tu vas te vacciner, tu vas me payer double, etc. etc. » Vous allez dire à votre représentant « mais monsieur, écoute, la porte, elle est là. » Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Puisque comment on fait? La question, c'est qui, que, comment on fait? Qui fait ça? En mettant en place des assemblées citoyennes dans toutes les communes françaises pour devenir un contre-pouvoir. Vous, les Gilets jaunes, qui vous êtes battus à sang et à mort, d'accord? Vous pouvez le faire. Vous avez occupé les ronds-points. Vous pouvez occuper les mairies. Qu'est-ce qu'il faut? Aller avec la contribution financière générale. Ouais, mais il n'y a pas besoin de parti. Non, on n'a pas besoin de parti. On n'a pas besoin de ça pour aller dans les mairies. Monsieur, si ça avait été possible, parce que certains... On n'a pas besoin de ça pour aller dans les mairies. Vous pensez qu'ils vont nous laisser faire? Madame, ils nous laissent... Madame, alors ils ne nous laisseront pas faire. Voilà. Ils ne nous laisseront pas faire. Par contre, madame, si demain, vous décidez... Si vous décidez d'ouvrir une assemblée citoyenne et que dans les 35 500 communes françaises, on fasse la même chose, déjà, on aura un contre-pouvoir, par exemple, sur l'alimentaire. On pourra dire, on peut boycotter tel produit. On peut refuser un projet de loi que va nous faire le gouvernement. Il faut que vous ayez retrouvé confiance en vous. Ce n'est pas un parti politique. C'est ni Marine Le Pen, ni M. Mélenchon, ni M. Macron. C'est personne de ces gens-là. Il faut que le peuple reprenne sa souveraineté, comme le dit la Constitution. Mais pourquoi on ne serait pas capable de le faire? Parce qu'on n'a pas les médias, on n'a pas malheureusement. Oui, monsieur. Alors, moi, je vous dis 80% de la population regarde des médias. Alors, écoutez, je propose à tous les médias qui sont là, tous les mardis soirs, en nous faisant une émission qui s'appelle TV sur tvadp.fr. Aujourd'hui, nous avons 1 300 000 vues par mois. J'invite tous les médias à vous faire connaître, à vous développer. Même, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. On va ouvrir un créneau de 18h à 20h tous les jours. Vous pouvez venir faire votre propre média à votre nom de 18h à 20h sur TVADP. Ouais, mais nous, on a déjà notre média. Non, mais avec votre média. Avec votre média. Non, mais avec votre média. Tu viens avec ton média. C'est ton média qui sera mis en avant. C'est pas TVADP. Moi, je me bats tout seul. Moi, je partage pas la foi. Je partage la foi avec mes abonnés. Nous, ce qu'on fera, c'est que si tu viens, on présentera ton média. Je peux vous inviter individuellement, chacun, et vous garder votre autonomie. Pourquoi? Je vais vous dire, c'est important. Parce que nous, ils peuvent nous fermer demain. Alors que vous, ça sera plus compliqué. Eh ben non. Pourquoi? Je suis désolée pour vous. Pourquoi? Apparemment, vous n'êtes pas aussi au courant de ce qui se passe actuellement avec le youtubeur indépendant. T'en penses quoi? Ni nos médias indépendants, ils sont tous attaqués. Notamment ceux qui connaissent les jaunes. Moi, actuellement, on accompagne nos camarades, notamment Maximus, au tribunal. D'accord? Pour avoir simplement partagé une vidéo. Il faut savoir, messieurs. Et Civicio aussi, qui a été convoqué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, vous êtes en train de nous filmer nos prises de parole. Et vous, là, qui vous nous écoutez, vous partagez simplement des prises de parole qui ne conviennent pas à l'État, vous êtes poursuivi. Et toi, que tu as fait cette vidéo, tu es poursuivi. Et moi, si ta vidéo m'intéresse et je la partage, je suis poursuivi. C'est ça la réalité de notre État. Actuellement, c'est ça. Mais ils sont tous en train de tomber, là. Ils sont tous en train de se faire convoquer. Il n'y a aucun soutien. Ça, par contre, je trouve ça lamentable. Les gens se disent, des médias indépendants, même pas fichus de vous soutenir entre vous. Et je l'avais prévenu quand Maximus a été le premier attaqué. J'avais dit, vous inquiétez pas, ce ne sera pas le seul. Ça passe ou loupé.
trois semaines, un mois après, là, c'est Sivicio. Il a eu quoi, Sivicio? Sivicio, il a été convoqué à la préfecture, là, tu sais, derrière le bastion de... Et il a eu quoi, exactement? Eh ben, on attend la suite. 36 rue Bastion, derrière le tribunal de Clichy. Et à cause de quoi il s'est fait convoquer? Eh ben, à cause de ses prises de parole et de ses vidéos qu'il fait par rapport au soutien à la Palestine. Tout simplement. Ah, au soutien de la Palestine, ouais. Mais même si tu fais autre chose, du moment que tu mets à mal l'État, regarde, la scène Vivre Sainement a été attaquée et elle parle de tous les sujets politiques. Du moment que vous avez une chaîne qui a des vues et qui met à mal la propagande politique, vous êtes en danger. C'est ça la réalité de notre pays. Et quand on me dit, va voir ce qui se passe en Russie, va voir ce qui se passe en Corée du Nord, mais merde, on a ça en France. La Corée du Nord, elle est là, mais vous la voyez pas. Parce qu'on vous fait croire que vous avez la possibilité d'aller aux urnes. Les urnes sont truquées. Vous croyez vraiment qu'avec tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, microbe premier, il est réellement passé au deuxième tour. Et ça aussi, les gens qui nous disent sans arrêt, vous avez voté pour lui. Personne n'a voté pour cette merde. Et il a été mis au pouvoir. Parce qu'avec tout ce qui se passe, le mec, il peut pas faire un pas sans qu'on lui tombe tous dessus. Qui a voté pour lui? Posez la question. Vous posez la question à n'importe qui, tout le monde vous dira, j'ai pas voté. Vous voyez? Et nous, on a participé au dépouillement, au premier tour et au deuxième tour. Rien que dans tous les bureaux de vote où on a participé au dépouillement, il était nulle part. Il était nulle part. Attends, Mike, il est en GAV, Mike? Mac, il a été regardé là. Donc vous voyez, la preuve, elle est là. Il est tous à l'intérieur. Les indépendants qui peuvent poser des questions. Regardez le journaliste à la conférence de presse. Je ne sais plus quel journaliste qui a été à la conférence de presse et qui a posé une question qui a mis à mal. Ça y est, il a perdu son accrédité. Il ne peut plus faire, il ne peut plus couvrir rien. Surtout que aujourd'hui, on en est là. Attendez, j'ai du mal à la famille. Ce qu'il faudrait, c'est faire comme eux. Ils ont leur propre chaîne. Ils ont BFM, ils ont CNews. Il faut acheter des herbes. Ouais, regardez, la vidéo à destination de tous les Français. Voilà, il faut que ce soit à destination de tous les Français, parce que là on fonctionne en vase clos. On fonctionne en vase clos, c'est-à-dire qu'on s'informe entre Alliance du Peuple, entre Gilets jaunes, entre on s'informe, on fonctionne en vase clos. Il faut viser plus haut, il faut acheter des herbes, il faut qu'on ait notre propre chaîne, comme ils ont BFM, qui est entre les mains des milliardaires, comme ils ont CNews, entre les mains de Bolloré. Et bien nous aussi, on va dégager, le peuple, il va dégager une chaîne, et nous sommes le peuple milliardaire, qui aura ses chaînes, c'est moi. Ses herbes, et qui aura sa propre chaîne. Vous êtes trop d'indépendants, vous êtes vulnérables. Individuellement, ils peuvent aller vous chercher, comme l'a expliqué Nadia. Ça va, toi? Ça va. Il m'a demandé, on est chez quel média. Si nous, le peuple, donnons que 1 euro, 1 euro par mois, on a une chaîne. Écoutez, on est plus de 3 millions à être en combat. Vous vous rendez compte? Tous les mois, ça fait 3 millions. On parle tout le temps. Les gens, ils ont l'impression qu'il faut donner soit 50 euros, soit 1 euro. On les a pas. Va voir rien que 1 euro, le prix d'une baguette, les amis. Depuis 5 ans, on le dit. Rien que le prix d'une baguette. Le peuple, on s'est arrivé à s'assurer et à donner juste 1 euro chaque mois. On a de quoi avoir de la finance. Parce que toute guerre, il faut de la finance. Et la guerre des médias, c'est primordial. C'est les médias qui vous font accepter tout et n'importe quoi. D'accord? Et les Français, nous, on a les informations parce que justement, on est sortis de ce système d'aller chercher l'information par les médias. On les écoute pour savoir justement comment ils vont faire leur propagande. Et à côté de ça, on va chercher dans d'autres...